victime d'une très violente crevaison qui a sonné sa perte, qui a marqué l'élimination. Donc pour cette Jaguar numéro 5, et nous voici dans le tour d'honneur pour une rondeau, mais surtout pour cette machine, la Porsche 962C officielle, Don Stuck, Derek Bell et Al Albert qui se dirige vers sa deuxième victoire consécutive. Et septième victoire consécutive en vue pour l'usine Porsche. Une Porsche qui aura couvert 354 tours, soit plus de 4700 km. À une moyenne proche des 200 km/h, 199,661 pour être précis. Et Porsche qui va placer une autre machine sur la deuxième place, sur la deuxième marche du podium, celle de Lessig, Iver et de Driver. Mais avec un écart considérable, 20 tours d'écart entre les deux premiers. Sur le troisième rang, on retrouve la Cougar Porsche de Raffanel, Courage et Régou, et c'est symbolique, c'est Yves Courage lui-même qui a accompli le dernier relais. Cette Cougar Porsche, belle récompense pour le constructeur Manceau, termine 3e à 23 tours. Au 4e rang, on retrouve une autre 962 privée, celle de Fouché, Conrad et Taylor. Et au 5e rang, la Jaguar, rescapée de Cheever et Bozell à 30 tours. 6e, Spice, Vélez et De Henning remportent le groupe C2. Belle sixième place pour cette machine officielle de Gordon Spice, mais à 34 tours du leader. Et la première machine officielle, eh bien, n'est autre que la Mazda 757 de Kennedy, Galvin et Dieudonné, qui termine au 7e rang. I would say arguably the fastest long distance driver in the world. Et voilà l'arrivée pour Derek Bell. Derek Bell qui va signer tout simplement sa 5e victoire personnelle. On l'a connu bien évidemment associé à Jackie X, le fameux duo des 24 heures, duo qui a remporté de 4 victoires notamment. Et là, eh bien, Derek Bell qui s'impose une nouvelle fois avec Stuck et Albert. Et la piste qui est bien évidemment envahie, c'est la tradition ici au Mans. Cette édition 87 ne déroge pas à la règle. Nouvelle victoire Porsche, mais attention, Jaguar a montré tout son potentiel. Première victoire de la saison également pour l'usine Porsche après 4 victoires consécutives Jaguar. Et bien Porsche qui remporte la course la plus prestigieuse de la saison et Derek Bell qui est porté en triomphe. Le champagne pour le trio vainqueur. Nouvelle victoire Porsche, 5e victoire personnelle pour Derek Bell. Thoroughly enjoyed what has got to be one of the sweetest victories that Porsche have ever had.